avec ce soir Gérard Miller, Claude Sarraute, Isabelle Mergaud, Jean-François Derecq, Isabelle Alonso et Jean-Luc Lemoine. Autant dire le gratin des planches parisiennes, parce que sans dire l'endroit où vous êtes tous, c'est votre point commun, sur les planches tous les soirs. Alors, on pourrait se retrouver pour dîner après le spectacle. Ah, c'est une bonne idée. Hein? Oh, non, pas Derecq. Oh. Mais si, Jean-François. Non, je viendrai pas. Vous terminez plus tôt que nous. C'est exact. Alors prépare à manger. Oui, mais après, je vais... Il y en a pour qui ça marche mieux, visiblement. Hein. C'est quand on voit Isabelle et Gérard, on voit qu'il y a de l'or partout. Ah oui. On sent que ça rigole plus, là. Hein. Ah oui. C'est vrai que votre cravate est particulièrement hideuse, Gérard. Alors, comme on ne peut pas dire les marques, je peux pas dire de qui c'est, mais hein. Oh Gérard, ça peut être de marque et pas beau, comprenez ça? Non, mais je ne sais pas pourquoi vous êtes. Les gens me trouvent très beau. Je reçois de plus en plus de lettres. Avant, les gens disaient que j'étais intelligent. Maintenant, ils disent que je suis beau, bizarrement. C'est des lettres qui s'envoient lui-même, tu vois. Bon, enfin, tout va bien, l'ambiance est bonne, Claude. Ouais, très. Mais t'as chez le coiffeur encore, hein? Oui. C'est ton coiffeur qui s'est occupé de moi. C'est mon coiffeur? Ouais, Simon. C'est pas vrai. Ça fait pas le même effet, dis donc. Allez, il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle du nouveau président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva. C'est son nom en entier, ancien métallo. C'est le Lech Walesa de Sao Paulo. Il est présent partout dans la presse ce matin. Élu, vous savez, avec un score de 62% des suffrages. Il paraît quand même qu'il a reçu un télégramme de Saddam Hussein le félicitant pour cette défaite. Parce que 62%, c'est pas beaucoup pour l'Irak, c'est vrai. Et pour le Brésil, c'est énorme. Lula, comme on l'appelle, a été élu, vous le savez, sur un programme très, très prometteur. La lutte contre le chômage, la lutte contre les inégalités, la lutte contre l'insécurité. Ce qui confirme qu'effectivement, il n'est plus métallo, mais qu'il est devenu bel et bien un véritable homme politique. Franchement. Vraiment, on croise les doigts pour lui. C'est quand même un cas unique dans l'histoire en général qu'un ouvrier devienne président d'un pays. Déjà, premier point très très rare, vous avez raison de citer Lech Walesa. Et puis on se dit aussi que maintenant, l'ère des pots de banane commence parce que les gens qui ont le pouvoir au Brésil et qui captent toutes les richesses vont pas se laisser faire. Moi, j'ai des doutes quand même, hein, Isabelle, parce que j'ai vu une photo de lui dans l'Humanité ce matin. Regardez cette photo publiée par l'UMA. Ça, c'est la campagne présidentielle en 1982. On le voit depuis. Donc là, c'est la campagne présidentielle qui vient de passer. Ça a changé déjà. À ce rythme-là, pour l'élection de 2006, il se présentera comme ça. Voilà. Et ouais, non? Il a mis, c'est vrai, un peu d'eau dans son vin. Il était beaucoup plus à gauche, mais enfin, il reste encore très à gauche. D'accord, mais enfin, vous avez vu comment il était en 82, comment il a été obligé de s'habiller pour être élu. Enfin, c'est pas à vous que je fais remarquer comment vous y étiez il y a 10 ans. On a des photos. Hein. C'est vrai. Mais moi, je cherche pas à être élu, Gérard Miller. Oh, quoique, si, par les téléspectateurs, vous avez raison. Ouais. Une chose est sûre, en tout cas, regardez Lula de plus près, on se dit, regardez bien, que Philippe Séguin devrait partir au Brésil, il a ses chances là-bas. Isabelle? Vous êtes déjà allée au Brésil, Isabelle Alonso? Ben, c'est un des rares endroits, quand on y va, on n'a pas envie de revenir. Quoi. C'est un pays magnifique, merveilleux. Ah ouais, vraiment. Et une des plus belles choses, c'est l'Amazonie. Et moi, j'ai pris l'ascenseur avec Pinochet, figurez-vous. C'est pas vrai? Oui, il était dans le même hôtel que moi. Il est monté dans l'ascenseur avec tous ses gardes du corps. Et là, je me suis dit, si j'étais vraiment héroïque, je pourrais le tuer. Alors, je l'ai regardé tellement fixement qu'il s'est dit, oh, une fan. Et il m'a fait comme ça dans l'ascenseur. Ça aurait pu faire un, hein, ça aurait pu faire un joli film ascenseur pour les fachos. Ah, ouais. Dommage. Autre photo. Celle de Marine Le Pen, justement, dont le Parisien nous dit ce matin qu'elle a réalisé, écoutez bien, dimanche soir, le meilleur score de l'émission de Christine Ockrent. Elle y était invitée. On risque donc de ne plus voir qu'elle à la télévision pour faire la promo de son père, ce qui fait qu'on aura bientôt Isabelle Adjani pour faire la promo d'Adolphe, un film qui sort demain, et Marine Le Pen pour la promo de Jean-Marie. Autre photo, celle de Valérie Giscard d'Estaing, objet du documentaire de William Carrel, que vous pourrez voir ce soir sur France 3 à 23h15. Un excellent documentaire, paraît-il. Alors, pour les plus jeunes qui nous regardent, Giscard, c'est le seul ex-président de la République encore vivant, avec Lionel Jospin.
Bon, lui, il n'a jamais été, mais il ne faut pas lui dire. Hein. Giscard, c'est aussi l'homme qui a fait passer la majorité à 18 ans en 74 et la majorité à gauche en 80. Giscard, c'est l'époque de la chasse au gaspille, l'époque de l'horaire d'été. C'est lui qui a institué l'horaire d'été, l'horaire d'hiver. Les diamants de Bocassa, évidemment. Et la fameuse chaise vide laissée, vous vous souvenez, devant les caméras de la télévision le soir de sa défaite quand il a dit au revoir. Bonsoir. Aux Français. Cette chaise vide, en fait, nous révèle que Giscard, c'est lui qui a inventé aussi la pub pour la crème contre les hémorroïdes. Tout ça, en tout cas, c'était évidemment bien avant que Giscard ne termine vulcanologue. Et pour saluer la diffusion de ce documentaire qui lui est consacré, eh bien, l'Etna s'est réveillé. Puisque vous le savez, Giscard est diplômé de l'Etna, l'École technique nationale de l'administration. Plus sérieusement, on le voit sur ces photos parues dans la presse ce matin, le volcan sicilien s'est donc réveillé, il est en éruption depuis deux jours. Hélicoptère Canadair se relaie pour combattre les incendies autour du volcan. D'ailleurs, il paraît qu'on a retrouvé Céline Dion en train de cramer auprès du volcan. Pourquoi ? Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'elle partait pour le Québec, puis elle s'est trompée de ligne, elle a pris un Canadair au lieu d'Air Canada. On termine par cette photo publiée par le journal L'Équipe. C'est une photo de Miss Vicky Bartwhite. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais L'Équipe la montre ce matin. Cette jeune championne de squash a été choisie par la Fédération internationale de squash féminin pour promouvoir ce sport méconnu. Alors moi qui joue au squash, c'est vrai, en plus deux fois par semaine, je ne savais pas qu'il fallait porter un string. Parce que moi, je savais que la différence entre le squash et le tennis, c'est qu'au squash, il n'y a pas de filet, mais je ne savais pas qu'il fallait se mettre dans l'arrêt du cul. Elle est contente, hein. Non, mais ce qui me fait rire, c'est que je pense à mon prof de squash que je vais aller, j'y joue le mardi et le jeudi. J'y vais en string. Je vous emmène au squash une fois, Isabelle? Ça se joue tout seul ou à deux? À deux. Ah, ça se joue à deux? Ça se joue à deux. Mais je croyais que ça se jouait contre un mur. Ça se joue contre un mur, mais à deux. Et moi, je suis vers le mur, moi? Non, on est tous les deux face à un mur. Et on se renvoie la balle et la balle doit rebondir sur tout. C'est très vif. Hein, très... Alors donc j'envoie la balle contre le mur et vous la rattrapez? Exactement, et je la renvoie contre le mur. Mais pas forcément le mur d'en face, ça peut être sur les murs du côté. Ce qu'il faut, c'est qu'elle rebondisse toujours sur le mur d'en face. Ah, les murs sont plusieurs et vous, vous êtes tout seul. Autre sujet. Une étude menée par l'Observatoire des déplacements de la mairie de Paris révèle qu'en 2001, sur les 8000 coursiers et livreurs de la capitale, 670 ont été victimes d'un accident corporel. Accident dont ils sont responsables dans la moitié des cas. Et pour réduire les risques et donc améliorer la sécurité de ces conducteurs, la mairie de Paris et la préfecture de police ont décidé de lancer une campagne de sensibilisation pour arrêter les dégâts. Avec ce slogan, client, employeur, coursier, livreur, le respect, ça compte pour la sécurité. Dan Bollander a choisi de tester pour nous en express, rendre prudents les coursiers. Regardez cette caméra cachée par Marcel Blinger. Bonjour, ici Dan Bollander, j'ai testé rendre les coursiers plus prudents. Comme il y a trop d'accidents à cause des coursiers, oui, vous devrez doubler le temps de livraison. Ah ben ça, il va falloir venir l'expliquer à mes clients. Vous lui dites, votre pli arrivera une heure après. Ah non, mais moi je ferme la boîte. Regardez, je vous montre le système. Voilà, donc c'est un boîtier qu'on installe sur les vélomoteurs. D'accord. Alors si jamais le coursier arrive avant que la sonnerie retentit, il doit attendre. C'est une question de sécurité. Non mais monsieur, attendez, on ne peut pas travailler comme ça, je refuse. Non mais attendez, vous vous imaginez, il va attendre devant chez le client que ça sonne avant de monter livrer. Exactement. Mais c'est impossible, monsieur, voyons. Comment voulez-vous qu'on travaille? Vous voulez que je ferme la boîte? Alors ils ont mis une machine sur ma bécane. Et il faut à chaque fois je le règle et par course il faut que je mette au moins une heure. Vous allez mettre combien de temps environ pour y aller? Normalement c'est un quart d'heure. Un quart d'heure? Bon bah là il faudra mettre 60 minutes pour y aller. À partir de maintenant. Allez, en ce cas-là, j'arrête mon métier. Je suis pressé, 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 ma vie va vite, trop vite, trop vite. Je dois foncer sans hésiter. Sur 8000 coursiers qu'il y a à Paris, il y a 640 qui ont été accidentés. Ouais. Voilà, donc c'est la mairie de Paris qui a décidé d'installer des boîtiers de contrôle sur chaque scooter pour réguler le temps de livraison. Oui. Article 1 bis, les courses rapides inférieures actuellement à une heure devront dès à présent égaler une heure minimum obligatoire.
faudrait arrêter de vendre des voitures et des scooters et puis mettre 500, 1 million de personnes au chômage. Ça serait plus simple. Le problème serait réglé, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, il y a un compteur qu'on va installer sur monsieur. Il faut qu'il parte tout de suite. Oui, hein. Oui, ben, j'ai bien compris. Tenez, monsieur, on va l'installer sur votre mobilette. Dans une demi-heure, il va être parti. Allez, venez, monsieur. Là, vous allez mettre combien de temps? Environ 10 minutes. 10 minutes, c'est réglé sur 60 minutes. D'accord. Donc là, à partir de maintenant, vous devrez mettre 60 minutes. Vous êtes assez tranquille maintenant? Oui, il peut partir. Oui, il peut partir, il a une boîte électronique. Restez là. Oui, oui, donc 60 minutes. Restez hein. Là. Mais nous, on reste là, bien sûr. Alors, tu me laisses tranquille maintenant. Bah, si jamais... Je m'en fous. Si jamais... Voilà. Mais non, attendez, si jamais il met moins de 60 minutes, il aura une amende. Installons les autres boîtiers. Alors. Tu ne touches à rien. Mais si, tu m'entends? Eh bien, essaie de toucher maintenant. Essaie de toucher. On va manger, les gars. Il y en a pour combien de temps de commander une pizza, là? Eh bien, 60 minutes. Voilà, 60 minutes pour ta pizza. Ah, très bien. Eh oui. C'est vrai que tous les piétons et les automobilistes parisiens râlent souvent contre les coursiers, les livreurs, particulièrement, on l'a vu, les livreurs de pizza, mais en même temps, quand on en commande une, on est bien content qu'elle arrive en un quart d'heure ou 20 minutes, Gérard Miller, non? Oui, on n'est quand même pas à 5 minutes près, c'est souvent ces 5 minutes-là qui causent l'accident quand même. C'est vrai, oui, c'est mais vrai. Il y a plein de gens qui essayent aussi de les ralentir, et c'est ça aussi qui leur fait du tort. Comment ça? Bah, par exemple, dans beaucoup de films pornographiques, on voit que dès qu'il y a un coursier, ils sont obligés de faire l'amour à la femme à qui ils vont les graisser. On va parler tout de suite de ce sujet important en accueillant sur ce plateau un coursier. Les coursiers depuis très longtemps déjà, monsieur François Thomas. Bonjour. J'ai dit très longtemps, n'exagérons rien, mais c'est vrai que coursier, on a toujours l'impression que c'est un jeune de 20 ans. Mais non, il y a des coursiers plus âgés. Ah bah oui, je dirais pas mon âge. Hein, c'est... Mais qu'est-ce qui vous plaît alors dans le fait d'être, de bouger vous aimez la circulation en fait? Non, la circulation, je déteste. Je déteste la circulation. C'est pas non, votre non, truc. Moi j'aime bien me promener dans Paris, j'aime bien regarder les immeubles, les gens qui passent. En plus, on rencontre des gens très sympas souvent. Bon. Enfin bon, pas toujours. Il y a des fois, on tombe sur des tronches de secrétaires ou de gens de publicité ou de gens de radio qui sont qu'attendent leur cassette. Vous êtes coursier ou livreur, vous? Moi, coursier. Vous dites, j'ai pas réalisé, c'est moi que vous visiez, non? Les gens de radio et télé sont plus exigeants que les autres quand on... Non, 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 c'est pour vous. Hein, c'est... Ah bon. Mais quand même. Ah ça, cela dit, quand Laurent a faim, il aime pas attendre. Pour les pizzas, oui. La pizza, moi j'attends la pizza. François Thomas, il l'a dit dans la doc qu'on a, tu as dit chaque minute compte. Ah bah bien sûr. Vous êtes vraiment payé à la course? Uniquement à la course, oui. C'est-à-dire bah, plus c'est vous ça... en faites, plus vous êtes payé. Bah voilà. Ah bah voilà. Bah, c'est ça vous qu'il faut réviser. Ouais. Moi bah, franchement, justement, on essaie de se battre là-dessus, mais bon. Je suis sûr que c'est un métier très dur, fait dans des conditions très dures, et franchement, moi en tant qu'automobiliste, les coursiers me foutent la trouille. Ils doublent par la droite quand on va tourner, des trucs comme ça, c'est un peu cauchemardesque. Il y en a quand même beaucoup. Si vous êtes à gauche et que moi je veux aller tout droit, je vais passer à votre droite. Si vous tournez à droite, vous n'avez rien à faire sur la file de gauche. Je vous explique, je fais Rue Lafayette, je suis donc pas sur la voie de gauche. Qu'est-ce que tu fais, Rue Lafayette? Oui, qu'est-ce que tu fais? Je rentre chez moi, je prends la rue de la Banque. Il y a la voie de bus, donc je suis à gauche de la voie de bus. Je mets mon clignotant et je tourne en faisant bien attention. Le nombre de fois où il y a un mec à moto qui arrive à toute berzingue, c'est insensé. Si je freine... Dans le code de la route, il est dit que quand vous changez de direction, c'est à vous de vérifier que vous ne coupez pas la route à quelqu'un. C'est pas censé arriver qu'on vous double par la droite, par des gens qui sont parfois dans l'angle mort et qu'on ne voit pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, les coursiers sont toujours dans l'angle mort d'une voiture. Derek. Et pourquoi les coursiers sont toujours recrutés chez les daltoniens qui confondent toujours le rouge et le vert? Ah, bonne question. Ouais. Ça leur permet. Il n'y a pas intérêt de piéton là par contre. Hein. Enfin, et qu'est-ce que c'est qu'un piéton? C'est un type qui va chercher sa voiture. Bah oui, ouais. C'est ça le problème. Gérard, la question qu'on se pose, et c'était ça le test, est-ce qu'on peut rendre plus prudent ou pas les coursiers ou est-ce qu'il faut agir sur leur patron? Bah, à mon avis, il faut agir sur les patrons. À partir du moment où on va supprimer le paiement au rendement, ce qui a été interdit dans la convention collective des transports, hein, il y a un arrêté de 92 qui interdit totalement le paiement au rendement pour les camions. Mais cet accord tient aussi pour les coursiers. Normalement, un coursier ne devrait pas être payé au rendement. Oui, mais par exemple, si parce qu'il y a des syndicats qui ne sont pas tout à fait d'accord en disant effectivement, faut garder quand même un rendement parce que par définition, un coursier ne travaillera que s'il a une carotte. Ah bon, je croyais que c'était une mobilette. Ah, une carotte devant la mobilette.
Momo et Coursier, tiens, je signale, c'est un album signé Franck Margerin et c'est chez Albin Michel, je ne sais pas si vous l'avez lu. Ouais. Ouais, c'est bien. Alors là-dedans, il y a des situations qui sont, mais alors, des situations qui me sont arrivées. C'est près de la réalité. Ah, c'est complètement la réalité. Pour conclure, puisque vous êtes coursier, mais aussi syndicaliste, coursier à la CGT, s'il y avait une seule revendication et que vous vouliez profiter de notre émission pour la faire passer, ce serait quoi? Ah ben, on respecte la législation, c'est-à-dire on supprime le paiement au bon, on paye les gens au temps de travail. On leur donne la prime de panier, notamment, parce qu'on est obligé de réclamer quelque chose qui est dû dans la convention collective. La prime de panier, c'est une part de la pizza que vous livrez, c'est quoi? Voilà, c'est la moitié. On a le droit à la moitié de la pizza livrée. Ah, c'est pour ça qu'il en manque souvent, un boum. Voilà, alors, oui, donc, ouais. Allez, on vous remercie. François Thomas, coursier, syndicaliste CGT. Merci. Chanson, maintenant, puisque ce mois-ci est sorti Now, le nouvel album de Noah, et on attend prochainement dans les bacs le premier single extrait de l'album qui s'intitule « Oui ». Pendant tout le mois d'octobre, Noah était en tournée dans toute la France, et si vous voulez la voir sur scène à Paris, elle sera à l'Olympia les 26 et 27 mars prochains en 2003. Donc, Vivre qu'elle avait chanté avant Hélène Ségara, puisqu'elle fut la première Esmeralda de Luc Plamondon, ou I Don't Know font partie de ses titres les plus connus. Pour parler avec nous de son nouvel album, Now, accueillons tout de suite Noah. Alors, une interprète va nous aider à converser, mais je crois que vous parlez pas mal français quand même. Un petit peu. Ah, petit peu, mais à peu près aussi bien que moi l'anglais, donc ça devrait, ça devrait le faire, comme on dit chez vous. Vous êtes hébreu ? Je suis très beau ? L'hébreu, parlez-vous. Ah, je croyais qu'elle me disait, je vous êtes très beau. J'étais content. J'ai écouté votre album, tous mes petits camarades aussi, je dois dire, c'est un superbe album. Quelle voix vous avez, quelle chanson magnifique. C'est un album en plus, une fois de plus, il faut bien le dire, qui parle de la paix. Jamais le mot guerre n'y est prononcé. No, but actually not peace either. Mais en fait, on n'utilise pas le mot paix non plus. Non. Je préfère pas dire exactement la guerre, la paix. I prefer to be more subtle. Je préfère être plus subtil. Parfait, nous aussi. Oh non, I don't think so. Oh non. Elle dit oui, c'est vrai, on me l'a dit. On regarde tout de suite un extrait du clip de cette chanson, premier extrait de l'album Now, et la chanson c'est oui, oui, W-E, pas oui comme nous, on dit oui, oui, nous, en quelque sorte en français, regardez. Quelle voix! Merci. Alors évidemment, Claude Sarraute, quand on vous a dit « Est-ce que vous avez reçu l'album de Noah ?» Tout de suite, elle pensait que c'était le tennisman. Ça doit vous arriver régulièrement, ce genre de choses, non? Oh, Yannick. yes, that happens to me, unfortunately. Malheureusement. Malheureusement. Claude, vous avez écouté? Alors écoute, je vais te dire, moi, j'ai jamais entendu rien d'aussi beau. Pour moi, elle a une voix, la voix, ta voix et ta musique sont célestes. C'est comme ça qu'on imagine que les anges chantent. C'est une splendeur. Thank you very much. Thank you. Gérard Miller. Alors, c'est vrai qu'il se passe quelque chose de particulier avec cet album. Du début jusqu'à la fin, il se passe quelque chose. Je ne sais pas si c'est les anges qui parlent, ah, pour moi, oui. Mais c'est vrai que c'est absolument étonnant. J'ajouterais une chose, c'est que moi, je vous trouve très émouvante pour une raison quand même que je veux souligner. Vous étiez présente lors de l'assassinat de Rabin par un extrémiste israélien. Vous étiez présente aussi lors des obsèques de Rabin. Vous avez chanté une chanson et pour moi, vous représentez la possibilité qu'un jour, enfin, les Israéliens et les Palestiniens vivent en paix les uns et les autres dans un État. Donc, je voulais aussi vous saluer pour ça. Allez, laquelle des deux? Tiens, vous donnez le choix. You have a choice. Who want you? Isabelle Alonso, Isabelle. Vous savez ce que ça veut dire, Isa, en hébreu? Non. Eh bien, ça veut dire chèvre. Et belle. Ouais. Une belle chèvre. Allez, Isabelle Alonso. Alors, moi, d'abord, première chose, le physique de Noah. Je trouve que
C'est une princesse orientale, c'est comme si elle portait toute l'humanité dans son... Non, mais c'est vrai. Magnifique. Merci. Déjà, je trouve ce physique irrésistible. Ensuite, ben, la voix, le disque, moi, c'est tout ce que j'adore. Et en plus, à l'intérieur de ce disque, il y a une pépite, une pierre précieuse, un truc qui m'a touchée profondément. C'est la reprise de la chanson « Eye in the Sky ». Qui est, en ce qui me concerne, personnellement lié à un souvenir... Remettez votre oreillette, je continue dans 2 secondes. C'est pas une oreillette, c'est des boules qui aissent pour pas aller... qu'elle entende toutes les conneries qu'on dit. Oui, c'est une chanson de Alan Parsons Project et c'est lié pour moi à un de ces moments de ma vie qu'on peut considérer comme un summum. Quoi. Je me souviens d'un slow sur cette chanson-là. Une pelle, et quoi, quand je l'ai écouté, beaucoup plus que ça. Un moment où je suis allée tutoyer les étoiles, mon vieux. Et oui, c'est comme ça. T'avais quel âge? T'avais quel âge? Je vous dirai pas, je vais, tu veux me faire faire des scènes de ménage ou quoi? Mais alors dis-nous quel âge avait Derek ce jour-là. Alors, donc merci. Merci voilà. Beaucoup, merci à vous. Isabelle Mergault. Ben moi je parle pas du tout anglais, mais c'est vrai que c'est céleste. Et donc je suis sûre que ça m'handicape de pas comprendre l'anglais. Mais aussi pas tant que ça, ça parle vraiment à tout le monde, on sent... Une ambiance. Mais, par contre, si vous voulez lui faire des compliments, arrêtez de dire qu'elle est céleste, parce que c'est la femme de Babar Céleste, hein, mais enfin bon... Babar quoi, ça I'm not living on the moon, you know. Je ne vis pas sur la lune, bien sûr que je connais Babar. L'ex-mère de Lyon. What's l'ex-mère? Ah non. Jean-Luc Lemoine. Non, non, c'est... Ça, vous avez une voix magnifique et tout, et ce qui est bien, ce que j'aime bien sur beaucoup de morceaux, la voix est bien mise en avant avec une musique un petit peu en retrait, ce qui prouve bien que quand on a une belle voix, on n'est pas obligé de la cacher que de la musique. Et je pense très sincèrement que vous avez largement le niveau pour faire l'année prochaine Star Academy. Dis-moi. Okay, voilà. En plus, c'est vrai, je peux dire toutes les conneries quand elle a perdu son automne, parce que voilà. Je disais, aïe! La violence! Derek. Hello. Jean-François, je crois que vous ne voulez pas avoir l'interprète. Non, I speak very fluently English, I don't need any translator. Okay. Je parle très bien anglais, je n'ai pas besoin de translateur. Hello, Noah, are you happy to be here? Yes. Yes, donc bon, je suis très heureux, surtout d'être en face de vous, qui êtes vraiment un exemple pour nous tous en Israël, donc merci. Deuxième question, your voice is very beautiful. Merci. Merci, la vôtre aussi. do you prefer to be a singer ou a worker in a factory? Est-ce que vous auriez préféré chanteuse ou ouvrière dans une usine? Next question. Elle aurait préféré être ouvrière, mais elle n'a pas le physique. Le nouvel album est sorti depuis le 14 octobre. Vous trouverez bientôt le premier extrait, le single « Oui ». You will be in Dinan le 14 novembre. In Vernouillette le 15 novembre. In Lyon, the town of Babar, le 16 novembre. In Aix, in Provençale, le 21 novembre. And in the Olympia in Paris, 26 et 27 ça, mars. Laurent, j'ai entendu beaucoup de gens qui parlaient mal anglais, mais quelqu'un qui, pour dire 21, dit 21. 21, 21, ça jamais. Où se moque-t-il de moi pour mon accent? Vous voulez bien m'apprendre l'anglais? L'anglais du Bronx? Yes. Yes? Yo, bro, what's going on, man? Yeah, yeah, yeah. Laurent, on vous remercie, c'était un plaisir de vous recevoir. Thank you very much. Merci. What a pleasure for us. J'ai cru qu'elle m'avait dit qu'il était très beau. En ce moment, vous savez, c'est la saison des prix littéraires. Et hier était décerné le prix le plus prestigieux, le prix Goncourt. 4 auteurs étaient en lice et c'est finalement Pascal Quignard qui a été récompensé pour Les Ombres errantes, publié chez Grasset. Le résultat a été donné hier, comme traditionnellement, à 13h au restaurant Drouhan. Sauf que Dan Bolander était sur place. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs sur les chaînes d'information, sur les différents câbles herdiens ou ailleurs. Au journal de 20h même, on l'a vu, Dan Bolander. Sauf qu'il n'était pas en Dan Bolander. Il était en François Nourricier, mais vous allez tout comprendre en regardant ce sujet. Bolander a testé pour nous le prix Goncourt, une caméra cachée par Marcel Bélanger. Il aura tout fait. Bonjour, ici Dan Bolander. J'ai testé, décerné le prix Goncourt 2002 à vous, monsieur. Non.
Bonjour, je suis François Nourricier. Voici les résultats du concours. Alors, l'Académie Goncourt, ben, qu'est-ce que vous faites? Après délibération et au troisième tour, le prix Goncourt est attribué à Morgane Sportes pour son roman L'Insensé. Mais vous me faites mal. Venez là, monsieur, s'il vous plaît. Vous me faites mal. On peut pas, regardez. Venez là. Venez là. Mais vous n'avez pas le Goncourt? Chut, chut. Vous êtes monsieur nourricier. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Non, je n'ai pas avec moi. Nous, on a la nôtre. Oui. Vous n'aimez pas la littérature dans la police? Vous aimez lire, quand même. Un petit peu. Ouais. Ça me fait plaisir. Vous allez venir avec nous ou pas, alors? Non, parce qu'il faut que je remette le Goncourt. Le prix Goncourt 2002 a été décerné au troisième tour de scrutin à Pascal Quignard pour Les Ombres errantes. S'il vous plaît. Bon, allez, les caméras m'attendent, monsieur. La police censure le prix Goncourt. Ah, voilà, je peux faire mon annonce. L'Académie Goncourt, après délibération et au troisième tour, a décidé d'attribuer le prix Goncourt 2002 à Morgane Sportes pour son roman L'Insensé. Merci à tous. Nous revenons pour le prix Renaudot. Dan Bolander, ce qui était incroyable, c'est qu'hier à 13h sur France Culture, qui retransmettait en direct la remise du prix, en tout cas l'attribution du prix, on avait un journaliste qui était depuis l'hôtel Drouin qui disait « Attention, attention, oui, je vous interromps parce que monsieur Nourricier lui-même va annoncer le prix Goncourt !» Et évidemment, ce n'était pas François Nourricier, souffrant, qui avait laissé sa place à Edmond Charleroux pour présider le jury Goncourt hier, et c'est Didier Decoin qui finalement a annoncé le prix Goncourt à 13h. L'ensemble des journalistes qui, dans un premier temps, ont eu un véritable effet de surprise. On a vu de Bolander partout. Ah non, mais ce qu'il faut préciser, c'est que la ressemblance est incroyable. Parce que c'est vrai que moi-même, j'aurais pris pour Nourricier. Moi aussi, moi qui connais bien François Nourricier, c'est extraordinaire. Moi qui connais bien Dan Bolander aussi. Alors, on va savoir tout de suite si c'est un bon choix qu'a fait le jury Goncourt de décerner ce prix aux Ombres errantes, signé Pascal Quignard. Il y a déjà une polémique, hein, mais comme chaque année, à propos de l'attribution du prix Goncourt. On va accueillir tout de suite quelqu'un qui saura très bien nous en parler, puisqu'il est libraire lui-même, mais aussi critique littéraire. Il est d'ailleurs sur France 5 tous les vendredis dans une émission, monsieur Gérard Collard. Bonsoir. Vous êtes un critique littéraire un peu atypique. Je suis pas un critique littéraire. Oh, si. Non, j'ai vu longtemps sur France 3 l'après-midi critiquer les bouquins. Ouais. Ah oui, quand même. Vous êtes un libraire critique. Je suis un libraire avec un petit L, mais qui parle des livres et pas de la littérature, avec un grand L. Bah, vous avez quand même suivi le Goncourt hier. Bah parce que vous m'avez obligé un peu, parce que c'est vraiment pas mon truc. C'est vrai? Non, c'est une catastrophe. Quoi. Est-ce que vous l'avez lu, celui-là, Les Ombres errantes? Déjà, ils sont un peu chiants parce qu'ils ont pas mis le résumé derrière. Et j'ai dû essayer au moins 10 fois. C'est beau comme une tombe du Père Lachaise, quoi. Mais alors, sans vraiment le génie, hein. C'est imbuvable. Si les gens commencent à lire ça, ils n'iront plus jamais rien. c'est vrai? Ah ouais, non, moi, je trouve ça scandaleux. Mais c'est terrible ce que vous dites, parce que vous savez quand même que certains Français n'achètent qu'un livre par an. Non, mais c'est vrai. Et c'est le prix Goncourt, donc ça va les dégoûter de la lecture. Oui, ils font du Raffarin avant Raffarin, parce que l'année dernière, ils avaient fait La France d'en bas avec le précédent qui était L'Abyssin, qui se lisait, qui était vraiment une introduction à la lecture. Et là, il nous faut La France d'en haut, pour les gens d'en haut qui lisent bien et qui savent lire, quoi. Cher monsieur Collard, les gens d'en haut, au moins, ils ont eu un mérite à un moment de l'histoire, c'est de faire le prix unique du livre, qui a été décidé par Lang. Sinon, vous ne seriez pas là pour nous en parler, vous auriez déjà disparu depuis longtemps. Oui, il faut le rappeler, c'était plutôt des gens d'en haut, pour une fois, qui ont fait quelque chose. C'est pas ceux-là qui, généralement, donnent les prix. Tout à fait. Voilà. L'année dernière, c'était Rouge Brésil qui avait gagné, de Ruffin. Ça, c'était un bon choix. Bah, nous, on avait été un des premiers à le défendre, donc je suis absolument content parce que je trouve que c'est le genre de bouquin qui est de bonne qualité, mais qui était méprisé par l'éditeur, hein, quand on vous disait. Mais souvent, c'est ça chez les éditeurs. C'est-à-dire qu'ils vous mettent en avant Marcel Proust, mais ceux qui les font vivre, c'est ceux derrière, comme Ruffin ou des choses comme ça. Alors, Ruffin, avec son Rouge Brésil, on avait vendu 500 000 de son prix Goncourt. Ouais. Est-ce qu'on peut compter 500 000 exemplaires avec celui-là? 25 000, quoi, à tout casser. Quoi. 25 000 à tout casser. Si l'auteur en rachète pour lui-même. Donc,
pas aussi cruel que vous avec Kinyar. Enfin, c'est vrai qu'il est absolument pas grand public. C'est très surprenant comme choix. On va rappeler, parce que ça le fixe pour la plupart de nos téléspectateurs, c'est celui qui avait écrit le roman Tous les matins du monde, qui a été adapté au cinéma et ça, joué par Gérard, Guillaume Depardieu, Jean-Pierre Marielle et Anne Brochet. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est que moi, ma préférence, moi, mais liée évidemment à mon histoire aussi, c'était Olivier Rollin pour Tigre de papier, puisque c'est la même génération et qu'il évoque notamment un passé. Edmond Charleroux était contre et elle avait deux voix. Alors, que nous avons en commun, Olivier Rollin. Est-ce que vous avez aimé ce livre? On va être franc, ça ne m'a pas forcément pas passionné, quoi. Mais je comprends que vous aimiez. Je veux dire, j'aurais préféré dans l'absolu que ça soit Rollin que lui. Parce qu'au moins, ça aurait fait découvrir quelque chose aux gens. Et le Renaudot, alors? Le Renaudot, c'est qui? C'est Assam, Gérard de Cortons. Ah ouais, mais ça, non, bah, je veux bien essayer. Là, on dit que c'est populaire, que c'est un vrai roman, que... C'est long, hein. Ah oui? C'est long, et puis en plus, il veut savoir d'où il vient, qui il est. Ah, vous écoutez, vous êtes un libraire qui n'aimait pas les livres. Mais pas cela, quoi, je veux dire. Non, non, mais moi, je m'en fous de ça. Je veux dire, moi, je sais ce que j'aime comme livre, et c'est pas ça que je vais vendre chez moi. N'importe comment, mes clients, ils en ont rien à foutre de ça. Ah oui? C'est pas grave. Oui, mais pourquoi, c'est quoi votre librairie? C'est un sex shop? C'est quoi? C'est un peu un sex shop, ouais. Isabelle Mergault, est-ce que vous lisez le Goncourt chaque année? En tout cas, cette année, je ne le lirai pas, parce que manifestement, ça a l'air d'être très chiant, quoi. C'est ça que vous êtes en train de dire. Je ne devrais pas dire ça, ouais, mais c'est alors vrai. Alors, votre Goncourt, c'est quoi? Mon Goncourt, c'est Seul à Berlin, qui est l'histoire qui est chez de Noël, l'histoire des premiers résistants. Alors là, c'est vraiment les résistants, c'est pas au premier tour des élections qu'ils vont résister à l'île de Ré après. Ça s'appelle Seul à Berlin, le gars, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est chez de Noël, mais il faut absolument que vous aidiez ce bouquin, parce qu'il est Seul tout en bas. À Berlin, chez de Noël. Ah ouais, vous allez voir. Puis là, vous allez voir ce que c'est que la littérature, c'est quand même autre chose que. Bah, que ce qu'on a en ce moment. Hop, on s'est fait tomber un de livres. On voit comment vous les traitez, les bouquins. Hein. Mais c'est pas grave, c'est le morpion. Non, parce que quitte à acheter un bouquin, si je vous ai amené ça, c'est marrant, quoi. C'est l'angoisse du morpion avant le coït. L'angoisse du morpion. Parce que quitte à parler. Ça, pour le Goncourt, il y avait peu de chance. Ouais, mais ça, c'est. Mais vous allez apprendre pourquoi 66% des hommes, par exemple, ont le testicule droit qui est plus bas que celui de gauche. Oui, c'est vrai, pourquoi? Ah, et bah. Ah, oui. Mais comment tu le sais, toi? Je vais passer des tests. C'est vrai, on va savoir ça en lisant. Ouais, ce c'est génial. En plus, c'est hyper drôle. C'est un gars de Charlie Hebdo. C'est super marrant. Jean-Luc Lemoine. Non, j'ai lu dans un dossier comme quoi vous aviez une librairie. Ouais. Et dans cette librairie, il y avait un aquarium pour les livres qui plongent dans la médiocrité. Il y avait une poubelle pour d'autres. Ouais, il y a les toilettes et tout. Donc, j'ai l'impression que vous avez les toilettes. Ouais. Vous avez pas. Vous avez votre franc-parler. Je voudrais savoir où vous avez mis les livres des gens de l'équipe. Ça, c'est intéressant. Ah, tiens, oui, voilà. Tiens. Faisons un test. Les livres de Gérard Müller, vous les vendez? Alors, depuis que je savais que je venais là, Müller, je l'ai mis en pile devant en disant il est excellent. Vous le réclame? Pas du tout. Et moi, Claude Sarraute. Ah bah, mais Claude Sarraute, vous êtes tous en livre de poche, alors on vous a automatiquement, quoi. Ça, vous le conseillez, Claude Sarraute? Bah, c'est comme de la vitamine, quoi. Je veux dire. Vous vous rendez compte un peu? Bah, je commence à être dans le métier, quand même. Ah oui. À mon avis, il y a de ça. Hein. Le livre de Béret. Il a écrit un livre, Derek. Ah, bon. Ah bah j'ai écrit un livre l'année dernière. Non, il l'a bien vendu en plus. Enfin, c'est peut-être chez nous seulement. Et le livre d'Isabelle Alonso? Oh bah j'avais la photo et tout, déplié et tout avec le livre à côté, l'avenir de la France, quoi. Merci, vous avez trop raison. Je vous demande même pas pour les miens, hein. On va vous remercier. Non mais alors là, sérieusement, il y a d'autres prix là qu'on attend, hein. Il va y avoir l'Interallié, il va y avoir le Fémina, le Médicis. Tout ça, vous en foutez? Bah ouais, mais faut s'en foutre de ça, quoi. Je veux dire, vous avez vu la tête des mecs qui donnent ça, quoi. Je vais dire. C'est pas ça, j'ai mon mari dans un des jurés. C'est vrai qu'il y a Non, mais il y a quelque chose, c'est que c'est vrai que moi, le Goncourt, en tant que lecteur, quand je vois la tête des gens qui le décernent, ça me donne pas envie de le lire. Jusque-là, j'étais intéressé, mais question tête, je suis pas certain que je préfère la vôtre. La mienne. Oui, la vôtre. Ah oui, je sais bien, mais moi, je donne pas de prix. Deux dernières questions, Gérard Collard. Juste. Pour les téléspectateurs qui voudraient acheter un bouquin dans les meilleures ventes du moment, Annie Dupéret. Oh, c'est un peu la bombe Wizard dans toute la merde de la rentrée, quoi. C'est pas mal, donc. Bon, je veux dire, c'est gentil, mais non, ça fait du bien quand on voit ce qui paraît. Bon là, ça va, ça fait pas de mal, quoi. Bernard Werber, qu'on va recevoir demain. Bah lui, il a son public sans problème. Jean-François Revel. Bah en plus, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais il écrit bien, il est intelligent, ce qui est pas forcément nombreux en ce moment dans le milieu. Bon, voilà. Vous en sortez bien, Claude. Hein. Parfait. Et dernière question sur votre émission, enfin, en tout cas, l'émission à laquelle vous participez tous les vendredis à 13h45 sur France 5. C'est quoi, le Journal de la Santé? Bah, c'est une sorte de vulgarisation de tout ce qui est maladie. Et moi, j'interviens là-dedans en parlant de romans qui ont trait, soi-disant, à la maladie. Mais il suffit que le mec, il ait mal à la gorge ou qu'il ait... Et puis, ça me permet de parler de bouquins fabuleux et surtout de les lancer parce que ce sont des gens normaux, comme votre public ici. C'est-à-dire que moi, j'en ai marre des émissions littéraires où ils se mettent en valeur avec les livres. Et là, c'est vraiment des gens qui achètent les livres et ils nous répondent. Bon retour à la Griffe Noire, c'est votre librairie. Bientôt sur France 5, vendredi. Merci. Autre sujet, sportif, celui-là.
Ce mois-ci, Florian Rousseau a remporté le Grand Prix de vitesse de l'Humanité, une des grandes courses de vitesse cycliste en France. Et au vu de son palmarès, on peut dire que le coureur, considéré comme le plus rapide du monde, en plus il est français, n'en est pas à sa première victoire, puisqu'il a à son actif 12 titres de champion de France, 11 titres de champion du monde en individuel et par équipe. Quand il était petit, il paraît qu'il voulait être facteur, mais la poste était trop lente. Mesdames et messieurs, nous allons tester ensemble le double médaille d'or aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, Florian Rousseau. Bienvenue. Alors vous venez encore de gagner une course, là, tout récemment. C'était où, cette course? À Bordeaux. À Bordeaux. Grand Prix de l'Humanité, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, je connaissais pas cette course-là. Pourquoi ça vous fait rire? Parce qu'il a battu Robert Rue. Alors, c'est sur piste, attention, parce que nous, on s'y connaît pas très, très bien en la matière. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Vous, vous y connaissez? Bah, un peu, oui. Qu'on s'y connaît, attendez. Alors, allez-y, qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il est pistard. Et moi, je couche tout. Là, par exemple, sur cette photo, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous faites, là? C'est du surplace que vous faites? Oui, c'est du surplace. En fait, la tactique est très importante dans ce type d'épreuve. Et il vient sur place parce qu'aucun des deux coureurs ne veut emmener la course en tête. Il s'impressionne, il se regarde de travers et surtout lui, il fait les gros yeux comme ça, il fout la pétoche aux autres, alors il se casse et lui, il arrive derrière. Et ça peut durer longtemps que vous faites du sur place comme ça? Maintenant... Il y en a qui y sont encore. Maintenant, c'est limité à 3 minutes pour des raisons de télévision, mais par le passé, ça a pu durer une heure, oui. Jean-Luc? Non, parce que j'ai lu que votre femme était championne de tir, c'est peut-être pour ça que vous roulez vite. C'est vrai, elle est championne de tir? Elle a été championne de tir. Jean-François. Et quand vous allez chercher du pain, vous allez en vélo ou ça vous rappelle trop le boulot? Je prends plutôt la voiture. Ouais. Et c'est des vélos spéciaux parce que hein, je crois qu'il n'y a pas de frein, il n'y a pas de vitesse. Mais il y a une selle. Pas forcément. Ah bon? Ça dépend pour qui. Hein, c'est des vélos, oui, c'est exact. Pas de frein, pas de vitesse, pas de dérailleur. Donc c'est vraiment un vélo à l'état pur. Gérard Miller? Non, moi j'aime bien ce sport-là. Je le trouve, moi personnellement, et je comprends que ça soit beaucoup plus populaire, le cyclisme plus classique, mais je trouve plus athlétique et plus original le cyclisme. Il y a Isabelle Alonso qui se marre pendant que vous parlez. Moi ça me fait marrer parce que quand je regarde Gérard comparé à Florian, c'est exactement les deux opposés, vous voyez. Et Florian, il a les yeux bleus et les grosses cuisses qui troublent n'importe quelle femme normalement constituée, je trouve. Et alors, Gérard, t'as d'autres arguments. Non, mais Gérard... Il paraît que votre spécialité, c'est la double accélération. C'est pas sexuel. Ouais, mais tu peux voir, tu peux voir sportif sans être tout de suite passionné par le sexe. Mais je fais ce que je veux, mais attends. Alors... Deux questions. D'abord, est-ce que vous seriez bon sur le Tour de France? C'est la question traditionnelle, évidemment, on a envie de le savoir. Est-ce que sur route, vous seriez un des plus forts? Quelles sont vos chances? Aucune chance. Aucune chance. Ça n'a rien à voir. La vitesse, c'est la discipline la plus courte dans le cyclisme. La distance de référence, oui. C'est 200 mètres lancés. Le Tour de France, ben, c'est des heures de selle. Vous n'avez pas d'endurance? Non, pas du tout. Ah, c'est je suis très explosif. Vous n'avez pas de gourde? Non, pas de gourde, pas de poche. Autre question, un de vos principaux concurrents et français en plus, c'est Arnaud Tournant. Alors vous êtes copain avec lui, comment ça se passe? On l'avait reçu ici, Arnaud Tournant. On est partenaire d'entraînement et bon, bien, c'est vrai que c'est un adversaire redoutable aussi, un équipier puisqu'on fait des épreuves par équipe ensemble et ça permet de progresser et d'être compétitif au niveau international. Alors c'est quand on avait reçu Arnaud Tournant ici, on avait mesuré ses cuisses parce qu'il avait des cuisses impressionnantes. D'ailleurs, il y avait eu une photo dans Paris Match où il avait montré un peu la taille de ses cuisses. On a envie de faire la même chose ce soir. Mais d'une façon un peu différente. Et je vais demander d'ailleurs à ce qu'on bande les yeux, juste les yeux, hein, Isabelle, à ce qu'on bande les yeux d'Isabelle Alonso et Isabelle Mergault, si c'est possible. Est-ce qu'on peut amener un foulard, c'est possible, ça? Mais bander, bander. Mais vous devez aller vous changer d'abord. Alors allez-y, allez vous changer. Alors, les garçons sont partis. Évidemment, revêtir une autre tenue, vous allez devoir comparer qui a les plus belles cuisses, en tout cas essayer de reconnaître les cuisses de Florian Rousseau. Les deux Isabelles ont leur bandeau, je vais rejoindre Claude Sarraute. On accueille les nouveaux cyclistes. Alors, allons-y, peut-être c'est Isabelle Mergault qui se déplace en premier. Et Isabelle Alonso va la suivre. Ne faites pas des niches, hein. Méline va vous conduire. Voilà. Attention.
Je confirme qu'on ne voit rien du tout. Alors, il faut retrouver Gérard Miller. Ça va pas être trop dur, ça. Mes paroles, ils sont plusieurs. C'est pas une cuisse. Faut remonter, faut remonter. Ah, oh, non. Mon Dieu, c'est dur, c'est poilu, ça réagit. Oh non, mais ça, c'est notre sportif national, là, c'est le cycliste, c'est le pistard. Florian Rousseau, alors allez-y à côté, s'il vous plaît. Voilà. Bah, c'est son autre cuisse, non? Non, pas du tout. Il y a Jean-Luc... Qui c'est qu'il y a en... Jean-Luc Lemoine, Gérard Miller, Jean-François Derek et Florian Est-ce Rousseau. Est-ce que je peux aller au mollet? Parce que Derek, je le reconnais au mollet. Ça, c'est... Oh non, c'est ça, mon pistard. Mais mon Dieu, il est partout. Or... Non, c'est Jean-Luc. Non, profitez pas non plus. Ça, c'est Jean-Luc. Ah, on vérifiera. Ah, ça, c'est... Ah, c'est quoi? Vous en avez... Ça, c'est le crâne de Derek. Vous en avez loupé un, voilà, je vous mets dessus, si j'ose dire, voilà. Oh la vache, bah oui, mais il est partout. Il déplace sa cuisse, c'est ça? Méline, vous amenez Isabelle Alonso qui va aider Isabelle Mergot, parce que manifestement... Merde, il est tordu, lui. Ça, c'est le premier, retenez le premier, passez au deuxième qui est à côté. Moi? Voilà. Il y a une cuisse, hein. Oh, ça, c'est un peu maigre... Enfin, quoi que non, putain, mais attends... Ah. Attends, mais c'est que des... Non, c'est pas à nous, ça. Ah. C'est pas au plateau, ça. Hein. Ça appartient... Ça, c'est... Et je m'y connais en cuisse. Y a non, pas une autre cuisse, y en a qu'une? Voilà comment deux femmes choisissent leur commande au catalogue des non, trois non. cuisses. Y a la vache. Ah, alors moi... Vous êtes con. Y a que des... Non, ça, bah, c'est essayez pas... de retrouver au moins notre champion, Florian alors, Rousseau. Notre... Attends, moi j'en ai pas. Il est là, moi je le tiens. Mais il est bizarre, mais c'est quelle jambe ça? Il est tordu de la jambe. Non, c'est pas... N'en profitez pas, Isabelle Alonso. Oui, non, mais là... Alors là, mon pote, ça c'est Florian Rousseau, ça c'est Jean-Luc Lemoine. Non, il n'y a pas de Jean-Luc. Allez, enlevez votre bandeau et regardez bien. C'était non, Jean-François Derek, Jean-Luc Lemoine et celui qui nous aide à préparer les skates sur les plateaux, Charles Hudon et le dernier, Florian Rousseau. Vous avez été nuls, les filles. Il y avait une différence quand même. Oh, ça énerve, hein. Quoi oui, il est épilé. Ah, il est épilé. Pardon? Il est épilé, c'est vrai. On fait la deuxième partie non, du mais test. Non, mais c'est vous avez reconnu, les garçons, vous. On fait la deuxième partie des tests. On doit deviner maintenant les poitrines de nos... Allez, on va s'asseoir. Florian Rousseau part se rhabiller. Vous ne l'aviez pas reconnu, hein, Isabelle Alonso. Mais si, je l'ai reconnu. C'est pas mieux que j'ai reconnu. Bah, si. Et Derek et Lemoine, vous avez dit que Lemoine n'était pas là. Ah oui. Mais ce qui est super blessant, c'est Isabelle. Elle dit, tiens, il y a des gens musclés. Ah, Jean-Luc n'est pas là. Non, mais parce que t'es hyper musclé. C'est ça que je ne savais pas. et elle vous drague, Jean-Luc. Waouh. Mais toi, t'es bien aussi, tu sais. Gérard, on peut peut-être profiter de cette pause pendant que Florian Rousseau se rhabille pour dénoncer la supercherie d'hier. Vous nous avez fait croire, et vous avez fait croire à tous les téléspectateurs de France 2, que vous aviez battu le tennisman Paul-Henri Mathieu quand il avait 9 ans. Et une fois que l'émission était terminée, chers téléspectateurs, sachez-le, Gérard nous a dit que c'était entièrement bidonné, qu'il avait préparé le coup avec Paul-Henri Mathieu. Honte à vous! Ah, vraiment? Mais je vous ai fait marcher, c'était incroyable. Je n'arrivais pas à croire que vous puissiez marcher à ce point. Bah, ça n'avait tellement rien d'extraordinaire non plus, parce que tu l'avais battu à 9 ans, il était malade. Allez, Florian Rousseau est prêt, il revient. Ah, c'est pire. C'est pire qu'une compétition ici, hein. Ah oui, de changer de tenue comme ça. Ah, on vous demande de bosser. Grand prix de vitesse de l'humanité, là, il y a quelques semaines. Florian Rousseau, bravo pour votre carrière, l'ensemble de votre carrière, et bravo pour les futures médailles qu'on vous souhaite. Vous restez avec nous pour le dernier jeu de l'émission qui s'appelle le... Qui a vu qui? Parfait, oui, parfait, ce garçon. Allons-y, premier qui a vu qui, il faut reconnaître, vous connaissez le jeu, les personnalités présentes dans la presse du jour. Je sais, moi aussi. Les sœurs Williams. Les sœurs Williams. Les sœurs Williams, bravo Florian Rousseau, bravo Isabelle Alonso. On les voit rarement comme ça.
Elle participait à une émission télé, manifestement, elle chantait même. Vous êtes prêts, vous aussi, à vous lancer dans le disque? Dans la chanson, non. Dans la chanson, non. Autre qui a vu qui? Woody Allen. Woody Allen au milieu, bravo, il était en concert à Rome, samedi soir. Qu'est-ce qu'il y a? Il vient à Paris. Pardon? Il vient à Paris. Et il vient à Paris bientôt. Voilà. Pour faire la même chose, pour jouer de la clarinette. Pour jouer de la clarinette. Il joue bien de la clarinette? Il paraît qu'il joue très 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 bien. Pour ceux qui aiment la clarinette, c'est super. Moi, je m'en fous, personnellement. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Bah, rien, je l'ai dit aussi, hein. Là aussi, regarde, là aussi, c'est lui, vas-y, dis-le. Voici un autre qui a vu qui? Arnaud Clément. Clément. Oh, ouais. Arnaud Clément, bravo Florian Rousseau, il a battu hier un Allemand. C'était au premier tour de l'Open de Bercy, les Masters de Bercy, comme on doit dire aujourd'hui. Et il jouait encore aujourd'hui, Arnaud Clément. Je ne sais pas s'il a gagné, mais en tout cas, hier, il a gagné contre l'Allemand en 3-7. Ah, il a un look particulier. Ouais. Les sportifs sont de plus en plus lookés, je trouve. Hein. Non? Bah, ça ne l'avantage pas tellement, la photo. Là. On a l'impression que c'est un mec bigleux qui a du mal à tenir sa raquette, déjà. Ouais. Et on s'identifie bien en même temps. Tout à fait. Autre qui a vu qui? Christine Bravo et Annie Lemoine qui ont remporté, il faut le dire, une course hippique. Non, pas Annie Lemoine. Annie Lemoine était ridicule. C'est Christine Bravo qui a gagné. Je vous regarde, Jean-Luc Lemoine, vous êtes ridicule en chantant. Non, je sais pas pourquoi vous dites ça. Franchement, j'ai l'impression que ça m'avantage terriblement. Je dis aux téléspectateurs, David Pujadas, il est pareil en dessous. Hein. On va vous remercier en tout cas, Florian Rousseau, d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On vous souhaite, je l'ai dit, encore plein de titres, peut-être même de médailles olympiques. C'est où déjà les prochains JO? Athènes. Athènes. Alors, en plus, vraiment, s'il y a un endroit où il faut remporter une médaille, c'est bien Athènes. Oui, hein. Le berceau de l'Olympisme. Le berceau de l'Olympisme. Florian Rousseau, merci et bravo. Merci. À demain, restez fidèles à France 2. Dans un instant, un gars ici, et après le journal de 20h.